Bonjour à tous et merci infiniment de nous retrouver sur le plateau de la Sagesse Bouddhiste. Nous vous proposons aujourd'hui la première partie d'un documentaire consacré à Maître Dogen, ce moine qui implanta au Japon le bouddhisme Zen Sōdo au XIIIe siècle et qui en est toujours aujourd'hui la figure majeure. C'est Maître Zen Dejimaru, dans les années 70, qui fit découvrir en France l'essentiel des enseignements de Maître Dogen, à travers notamment l'œuvre majeure de celui-ci, le Tōbō Gesō, que l'on peut traduire par la vraie loi, trésor de l'œil. Nous sommes rendus au temple Zen de la Gendronnière, où repose Maître Dejimaru, et où se retrouvent, pour pratiquer, les nombreux disciples qui l'initient. Un documentaire réalisé par Michel Blaise. Comme tous les matins, la communauté vient rendre hommage à son fondateur, Maître Dejimaru, celui qui a transmis le Zen Sōdo en Europe. Maître Dejimaru a eu cette magnifique intuition ou grande intelligence de réussir à ramener le cœur de l'enseignement de Maître Dogen dans ce cas de plus universel. Et de plus simple surtout. C'est ce message-là, je pense, qui nous touche au plus profond de nous-mêmes. Dogen est né d'une famille de la haute aristocratie, il a l'empereur, en l'an 1200. Il a perdu ses parents très tôt. Son père à l'âge de 2 ans, sa mère à l'âge de 7 ans. Et au funérailles de sa mère, quand il a vu de l'encens brûler, la fumée, l'encens, il a pris conscience de l'impermanence de vie, de toutes choses, il a décidé de devenir moine. Il est accueilli par un oncle qui est lui-même moine. Et après, il va faire sa formation au Mont Yai, dans l'école d'Endai, où il y a de grands monastères, où se formaient toutes les élites religieuses du pays à l'époque. L'action fondamentale de Dogen est que dans l'enseignement du Tendai, il est dit que tout le monde possède la nature Bouddha. Si tout le monde possède cette nature de Bouddha, pourquoi est-il nécessaire de pratiquer, d'étudier, de faire la méditation, que de toute façon, tout le monde possède cette nature? Insatisfait des réponses qu'il obtient auprès des différents maîtres qu'il a rencontrés, il décide de partir en Chine, où est la source du bouddhisme japonais. Arrivé en Chine, il fait la rencontre du cuisinier, qui est célèbre dans les années du Zen, sur port. Il y a un cuisinier d'un monastère local qui vient acheter des champignons et un dialogue s'ensuit entre Dogen et le cuisinier. Le cuisinier est d'un certain âge. Dogen s'étonne que ce cuisinier a ce travail de venir acheter des champignons sous le soleil, etc. Et parce que dans l'esprit de Dogen, tel il a été formé sur le Mont Yai, pratiquer le bouddhisme, c'est pratiquer la méditation, c'est étudier les sutras, c'est étudier quelque chose un peu en dehors de la vie. Et le cuisinier lui répond, mon ami, vous n'avez pas compris le sens de la pratique. C'est-à-dire que le fait de venir de marcher du temple au bateau, de faire des achats, etc., fait aussi partie de la pratique. Le choc que Dogen ressent, c'est que le bouddhisme n'est pas juste quelque chose qu'on étudie, qui est éloigné, qui se trouve dans les sutras ou juste dans la méditation, mais se trouve dans la vie réelle. Et la deuxième rencontre décisive qu'il fait, c'est avec son maître Nyojo, avec lequel il pratiquera et il apprendra la façon de faire d'un grand temple chinois, et dont il recevra la transmission, la lignée depuis Bouddha jusqu'à Nyojo. C'est aussi auprès de son maître qu'il fera l'expérience d'éveil lors d'une nuit de méditation. C'est cela ramené au Japon et transmettre à son tour. De retour de Chine, il s'installe d'abord à Kyoto, à l'intérieur de la ville, puis rapidement dans un temple situé à périphérie de Kyoto, le temple de Kochi, où il enseignait pendant plusieurs années. Beaucoup de disciples le rejoignent, mais sans doute à cause de la jalousie des autres temples, la pression justement de l'école d'Endai, qui va dans mauvais oeil le réformateur et le Kseka, il décide de partir dans les montagnes, où il va fonder le temple qui sera le temple de Heihei, où il va instaurer la vie monastique telle qu'il l'a connue en Chine, et telle qu'elle s'est poursuivie depuis lors, que nous essayons maintenant d'implanter ici. Les premiers écrits de Dogen datent dès sa rentrée au Japon. Il va écrire le Fukuzazenji, qui est un manuel de pratique du zazen, une autre œuvre qui s'appelle le Bedowa, qui est un peu une introduction à la pratique de la voix. Et quand il est installé au temple de Kochi, il commence l'écriture de ce qui deviendra le Tōbō Gesō. Pour Dogen, bien qu'à certains moments vers la fin de sa vie, il considérait que d'être moine était essentiel pour réaliser la voix,
Plus fondamentalement, il a toujours considéré que le dharma du Bouddha était quelque chose d'universel, que son propre enseignement était universel, s'adressait absolument à tout le monde, surtout parce que la pratique de Zazen est universelle, tout le monde peut pratiquer, moins le laïc, et je crois que c'est la base même de la foi de Maître Dogen. 1233, premier texte du Hobogenzo. Alors, le titre lui-même signifie le trésor de l'œil de la vraie voie. Trésor parce que c'est extrêmement précieux, c'est véritable loi, c'est véritable dharma, donc à la fois l'enseignement du Bouddha, mais surtout la vérité profonde, la vérité ultime auquel se réfère cet enseignement, et qui a le pouvoir de libérer tous les êtres de leurs souffrances. Donc c'est pour ça que c'est un trésor. Et on dit que c'est le trésor de l'œil, parce que l'œil, dans ce cas-là, ce n'est pas l'organe, mais c'est la vision. C'est la capacité intuitive qui se réalise dans la pratique de la méditation, de faire la même expérience que le Bouddha Shakyamuni, c'est-à-dire de s'éveiller au véritable dharma, c'est-à-dire la loi, non pas comme les lois humaines qui interdisent de faire certaines choses, mais la loi qui régit l'ordre cosmique, qui régit toutes nos vies, et avec laquelle la sagesse veut que nous harmonisions, sans quoi on se heurte toutes sortes de difficultés et de souffrances. Étudie la voie du Bouddha, s'étudier soi-même. Étudier l'arma du Bouddha, étudier l'enseignement du Bouddha, c'est s'étudier soi-même, ça c'est fondamental. Étudier l'enseignement du Bouddha, ce n'est pas étudier les dogmes, ce n'est pas étudier une philosophie abstraite, ce n'est pas réfléchir sur des concepts, des notions, c'est vraiment tourner son regard à l'intérieur, s'étudier soi-même, principalement dans la méditation, dans le zazen, apprendre à se connaître soi-même. Et remarquez bien que c'est la source aussi de la philosophie de la sagesse occidentale. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Donc cette phrase qui a été reprise par Socrate, qui a été reprise par beaucoup de philosophes par la suite en Occident, est au cœur de l'enseignement de Maître Gen et c'est le rappel de l'enseignement essentiel du Bouddha. S'étudier soi-même, s'oublier soi-même. Quand Dogen dit apprendre à se connaître soi-même et apprendre à s'oublier soi-même, c'est l'intuition qu'au fond, tout ce qui nous anime et ce qui nous constitue, notre corps, ses sensations, ses perceptions, ses pensées, ses désirs, tout cela est en substance, c'est-à-dire tellement permanent, tout change constamment. Et ça, c'est un élément fondamental de la connaissance de soi, de non pas de se dire « moi je suis quelqu'un qui est telle et telle caractéristique », se définir au niveau de sa personnalité, comme font les psychologues, mais de se rendre compte qu'au fond, le moi est insaisissable, il est une construction, mais son essence, il est complètement au-delà de toutes les idées qu'on peut s'en faire, simplement parce qu'il n'est pas séparé de tout l'univers. S'oublier soi-même, c'est être certifié par toutes les existences. Être certifié par toutes les existences, c'est rejeter son corps et son esprit, ainsi que le corps et l'esprit des autres. Certifié par tous les êtres, ça veut dire être rayé par tous les êtres, avec tous les êtres. Tous les êtres sont porteurs de la même dharma, de la même réalité fondamentale, qui est que nous existons tous, les uns et les autres, qu'en relation interdépendance. Pour Maître Dogen, tous les êtres sont de la nature de Bouddha, cela va de des fourmis aux étoiles, passant par les animaux, les êtres humains, les arbres, etc. Par après, il est dit que ceci permet d'abandonner son corps et son esprit, d'abandonner le corps et l'esprit des autres. Alors, abandonner son corps et son esprit, c'est l'expérience fondamentale de l'éveil de Dogen, ce qu'il appelle Shinji Natsuraku, corps et esprit abandonné, c'est-à-dire dépouillé de tout attachement au corps et à l'esprit. Évidemment, on ne peut pas rejeter le corps et l'esprit, aucun lieu où on pourrait rejeter le corps et l'esprit. Mais ce qui est dépouillé, abandonné, c'est l'attachement au corps et à l'esprit, en se rendant compte qu'ils sont totalement impermanents, non substantiels, ils ne constituent pas un ego, mais par contre, qu'ils font partie de la grande nature, de tout le cosmos. Et donc, abandonner son corps et son esprit, et faire en sorte que les autres abandonnent leur corps et leur esprit, ça veut dire qu'il n'y a pas plus d'ego en soi-même que chez les autres, et ça est extrêmement communicatif. Si un être le réalise, tous les êtres peuvent le réaliser. En tous les cas, on reçoit une influence extrêmement positive, un encouragement à faire la même expérience. Et c'est comme ça que se transmet les êtres, finalement. Toutes les traces du Satori disparaissent. Ce Satori, sa trace, continue sans fin. Beaucoup de gens viennent aux parce qu'ils réalisent le Satori, c'est l'équivalent de l'éveil, et ça veut dire se comprendre soi-même, justement. Le mot Satori, c'est un verbe en japonais, c'est Satoru, ça veut dire se comprendre soi-même. Et donc c'est exactement ce qu'exprime le Geshe Kōan, et notamment cette fameuse phrase de Dogen, le normal Bouddha, c'est apprendre à se connaître soi-même. Satori, c'est apprendre à se connaître soi-même. Et alors, ne pas garder de traces du Satori, parce que si on garde une trace du Satori, ça veut dire que l'ego s'empare de cette expérience de lâche prise dont on ne devrait pas pouvoir s'emparer. Puisque c'est vraiment le lâcher prise, c'est ce qui devrait abolir la tendance à l'avidité de l'ego de vouloir séparer quelque chose. Donc, se dire par exemple, oui, que j'ai réalisé le veille ou que j'ai réalisé le Satori dans telle et telle circonstance, c'est l'ego qui s'empare de l'expérience, du souvenir qu'il a de l'expérience et qui en tire une sorte de gloire personnelle, c'est-à-dire moi j'ai réalisé l'éveil, ce qui est le comble du non-éveil. Donc, même l'idée qu'on est éveillé doit être complètement abandonnée. L'éveil va se manifester, non pas comme quelque chose, je n'aime pas le mot éveil d'ailleurs, je pense que le nous commun éveil ne convient pas, il faudrait beaucoup plus utiliser l'adjectif, vie éveillée, une pratique éveillée, une manière d'être éveillée. Et un verbe, s'éveiller constamment, c'est vraiment une action, c'est-à-dire une pratique. On ne s'éveille pas une fois, on doit s'éveiller à chaque instant de la vie,
en se connaissant soi-même, en souillant soi-même, dans tous les moments de l'existence quotidienne, en pratiquant le lâcher-prise sur le lâcher-prise. Pour terminer, je vous rappelle l'œuvre majeure évoquée dans ce documentaire et qui a nécessité un travail très important de traduction par Yoko Rimo, les deux premiers tomes du Shobogenzo, La vraie loi, Trésor de l'œil, de Maître Gen, publié aux éditions Sully. Vous pourrez découvrir la traduction intégrale de ce recueil qui contient un certain nombre de textes parmi les plus importants de la tradition Zenso. C'est la fin de notre émission, vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2, rubrique Tous les programmes et Chemin de foi. Merci à tous de votre fidélité, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la seconde partie de ce documentaire.